Ben salut les amis, salut les Maurice. Alors une petite vidéo, vous allez me dire, eh oui, je suis revenu sur OSTREAMMAP. Pourquoi je suis revenu sur OSTREAMMAP? Ben, j'en avais marre d'attendre une carte qui soit compatible avec le mode saison pour que je puisse attaquer donc ma série dessus, mode saison et tout bazar, no shit, enfin no shit. On va dire que je ne citerai pas, j'ai cité au début pour acheter le matériel, pour faire la Kuma, pour faire la ferme, tout ça, comme ça au moins, on me dit, oh, mais c'est pas du no shit. Bah si, quand t'achètes une ferme, t'arrives pas avec ton vélo, et puis ta faux, et puis ton... Et puis ta pioche, quoi, je veux dire, voilà. Donc si ça pleut pas à certains, bah, vous allez voir ailleurs, et puis c'est tout. Donc voilà, donc moi, là, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut, on a, vous voyez, 172 000 d'argent, donc du coup, on a de l'argent, ouais. Donc du coup, la première saison, je vais pas la faire avec le mode saison, je vais tout préparer, c'est-à-dire me faire un silo d'ensilage, c'est-à-dire me faire des bottes de foin, des bottes de paille, comme ça, on pourra attaquer au printemps, on aura un semé, mais on pourra aussi s'occuper des bêtes, comme ça, au moins, on s'emmerdera pas, quoi, parce qu'une fois que t'as semé, une fois que t'as fertilisé, tu fais pas grand-chose, donc voilà. Après, en plus, je changerai les paramètres, c'est-à-dire, les paramètres, je changerai, attendez, alors, c'est là, non, c'est pas là, c'est ici, donc je changerai, je ferai le labourage périodique et 3 fois en engrais, comme ça, au moins, ça donnera un peu plus de volume à ce que je veux faire, donc voilà. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu les véhicules que j'ai. Alors, il y en a deux qui sont... Il y a un ou deux modes qui sont privés. Donc, ne me demandez pas les liens parce qu'ils sont tout simplement privés. Alors, je sais que ça va pas plaire à certains, que je vais me prendre des pouces rouges pour ça. Voilà. Après, voilà, c'est comme ça, on me les envoie. Moi, je vais pas les refuser. Voilà. En plus, c'est des personnes que j'apprécie qui me les ont envoyées. Donc, voilà. Mais voilà, donc du coup je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a à la Kuma. Donc à la Kuma, alors on a bien sûr, alors je vais vous dire au niveau matériel et tracteur, si je vais essayer de faire que du cross. Alors pour ceux qui n'aiment pas le cross, eh ben, ils vont pas être contents, mais voilà, j'avais dit que je ferais une série 100% cross, je ne peux pas faire 100% cross parce que j'ai encore pas tout trouvé en cross. Mais voilà. Bon, du coup, allez, on va attaquer par là. Donc du coup, j'ai... Donc ce class, il est privé. Voilà. 946. On a les faucheuses class à la Cuma. Pardon. Prix de hoquet. On a cette auto-chargeuse 3 essieux class. On a la Gowell. Parce que, alors voilà, pourquoi j'ai pris la Gowell? Au départ, j'avais pris la Krone Ultima pour me faire l'enrubanage. Voilà, pour faire de l'enrubanage. Et la Chrome Ultima, au bout d'un moment, elle m'a mis un message comme quoi je devais stopper, descendre du tracteur, je crois, et machiner, non, machin. Mais à chaque fois que j'ouvrais les portes, les machins étaient pleins, je pouvais pas remettre du fil, enfin du papier film, du plastique, je sais pas, je pouvais pas. Alors j'ai un bug, du coup je l'ai revendu et on a pris cette décision d'investir dans une Gowell, voilà. Après on verra, hein. On la loue, bien sûr, on la loue à tout le monde, voilà. Donc on a... Ce semoir vers d'Artsat, on a, ah oui, vous avez vu, le semoir aussi pour le maïs, voilà, qu'une. On a notre tracteur tête qui est à 970 actions, au niveau de la Kuma, voilà. Alors on est en train de le tester, on a un Massey Ferguson. Donc du coup, voilà, on est en train de le tester, on regarde ce qu'il donne, donc on le prend pour sortir le fumier, parce que voilà... Alors au niveau de, on a un pulvérisateur liquide Daman profil Claus. On a donc une benne d'ensilage Claus. On a un endenneur Claus. On a une benne Randazzo, très bonne benne d'ailleurs, on en est content pour l'instant. On a bien sûr, oh là, ils vont péter comme ceux qui n'aiment pas Claus, ils vont péter un Claus, ils vont péter un câble, un Claus. Oh, il y a Claus, il est omnibilé. On a une 840, alors c'est peut-être sa dernière campagne parce qu'on pense peut-être à se pencher en acheter une sur une 900. On va voir ce que nous propose le représentant Claus qui nous fait des bons prix, c'est-à-dire avec tout le matériel qu'on lui achète, il peut. Bah. Alors, au niveau de la ferme, nous avons, alors là, c'est pareil. La grosse variante 260 appartient à la Cuma, hein, bien sûr. Donc là, au niveau de la ferme principale, voilà, moi, on va dire, j'ai ce Classe Arion 540, voilà, celui de Smithy, hein, vous pouvez les trouver sur tous les sites de chargement. On a un Classe 400, alors ce Classe 400 est privé, voilà. Ce n'est pas le mien,
C'est, on me l'a envoyé. Le mien, il est en scriptage puisque j'ai acheté la 3D. Et oui, j'ai fait une folie. Donc la Ben Gentile, c'est pareil, c'est un skin. Donc voilà, je suis désolé. Il y a beaucoup de modes privés, mais voilà, maintenant c'est comme ça. Si vous voulez avoir des bons modes, il faut, voilà, soit tu achètes une 3D, tu fais scripter, ou soit tu, voilà, on t'envoie des modes, voilà. Parce que maintenant, le peu de modes qui sort, c'est, je vais pas dire, c'est de la merde, mais c'est pas loin. Donc on a attaqué, donc on est en train de moissonner le blé, c'est pour ça. Alors, à la ferme, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, puisqu'on a le matériel va arriver, puisqu'on était sur une autre exploitation avant, mais notre matériel va arriver, on était en Glace aussi. Donc, on a ce Glace Ares 616, voilà, qui a l'épandeur. Donc, ça, c'est notre épandeur Kuhn à engrais solide, avec une masse mix. On a un plateau robuste bah, pour alimenter en niveau liquide, semences et puis engrais. Voilà. Et on a aussi là-bas, alors on a déposé les trucs de la Gowen, puisqu'on les met à l'abri chez nous, hein, parce que la Kuma, vous voyez, il y a quand même pas trop, il y a de la place, mais enfin, il n'y a pas énormément de place. Et nous, là, pour l'instant, les box, ils sont vides, puisqu'on n'a pas attaqué les cochons. Donc les cochons, on les fera après les vaches, on va attaquer seulement par les vaches. Donc vous voyez, ça, c'est tout ce qu'il faut pour la Gowen. On a un petit gaucho comme Bennett. On a une Bennett Joskin, vous voyez, qui est assez vieille. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai encore qu'on a amené ici? Bah, on a amené pas grand-chose pour l'instant. Le reste va arriver plus tard. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'essaye d'acheter du matériel pas cher. Donc, du coup, alors vous allez me demander pourquoi. Voilà, j'ai bien rangé mes petites bottes d'enrubannage. Pourquoi il y en a deux en l'air? Parce qu'un connard d'ouvrier que j'avais mis à semer, il est arrivé là, ce con. D'ailleurs, c'est fait en live. D'ailleurs, j'ai pas fait le live dimanche matin parce que j'ai eu des problèmes de connexion. Parce que j'arrivais plus à ouvrir mon. J'allais sur mon navigateur, mais j'arrivais plus à ouvrir la page internet. Il a fallu que j'appelle Orange. Donc, du coup, Orange, il m'a réglé ça. Et ils vont normalement me booster encore un peu la ligne. Voilà, donc normalement, je vais voir demain. Ouais, c'est demain. Ouais, c'est ça. Demain, il va me rappeler pour savoir si ça a marché. C'est pour ça que peut-être des fois dans la journée, je vais avoir des coupures parce qu'ils sont en train de me booster la ligne normalement. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà mes bols d'enrubannage. Et on a un plateau, la campagne, voilà, qui est ici, appartient bah, à la ferme, on va dire, à la ferme. Donc, vous voyez, il n'y a encore rien de fait. J'ai quand même. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va continuer notre tour. Du coup, celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu. Celui-là, on l'a vu. Ah oui, alors ça, c'est le camion de la concession. Ça, vous l'avez vu. Ça, vous l'avez vu. Voilà, on a une autre Dominator qui est peut-être la dernière. Puisque normalement. Alors, je vais vous faire voir sur ma tablette. Ah oui, parce qu'on est moderne. Alors, on hésite. Alors on hésite, soit on continue dans le Glaze, voilà, alors on a, soit on hésite entre une Tucano ou une Aveiro. Parce que bon, on va pas prendre une grosse, parce que l'autre, il nous a pas une Lexion 700, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en coin? Il m'a dit, bah, si vous voulez pas mettre beaucoup cher, il y a Méga 208, putain, 147 000 euros. Et il me dit, bah, autrement, on a une Aveiro à 14 400. Bon, bah, je lui dis, on va peut-être la prendre, hein. Du coup, on est en train de réfléchir, soit on prend une occasion Aveiro à 14 400. C'est un sacré coup de fusil qu'on fait, qu'il m'a dit, attention, la propriétaire était en prenait soin et tout. Alors on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc du coup, voilà, allez, c'est parti, je vais foutre l'ouvrier, hop, mettez d'abord le moteur en marche. Oui, ça me paraît évident, Maurice, allez, tu vas me faire ça. Et donc c'est parti pour 700. Ah! Laisse-moi deviner ce qu'il est. Ah ouais, d'accord, c'est pas du tout dans le bon sens. Et voilà. Comme ça, ces têtes de con. Ah, mais ils sont cons, hein. Ah, ils sont très cons. Merde. Voilà, je vais essayer de le faire partir normal. Voilà, allez, démerde-toi, Maurice. Ça, voilà, nickel. Normalement, il devrait se démerder si se tape pas un pilier ou quelque chose comme ça. Donc, on a normalement au niveau de la météo. Alors, j'ai pas regardé au niveau de la météo. Normalement, donc, voilà. Non, c'est pas là. Ah non, mais on voit plus la météo, c'est vrai. Putain, ça c'est un truc qui est con. Toc, 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 toc
Donc du coup, c'est du blé, donc on va, je vais descendre de 400. Mettre les gyros. Ah, nickel. C'est parti. Donc ne me demandez pas le lien, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé, il est privé, donc voilà. Après, ne me demandez pas le lien. Donc le mien est en cours de scriptage, j'ai acheté une 3D, il est en train d'être scripté. Donc voilà. Après je suis désolé, mais bon. C'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, ça marche que comme ça. Si vous voulez avoir des bons mods, il n'y a que comme ça. Et le mien, il y aura seulement quelques personnes à qui je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer, donc voilà. Donc il est en cours de scriptage. Putain, il en chie quand même. Bah, il a quand même 15 tonnes au cul, quoi, on va dire. Donc, alors déjà, je vous préviens, la Stream Map, c'est en attendant que la Statenback sorte. Voilà. Si la Statenback sort, je vais directement dessus. Putain, mais connard, tu peux pas te pousser, tu vois. Mais en plus. De Dieu. Mais en plus, tu klaxonnes, connard, là. Tu veux pas que j'arrive avec ma grosse remorque, là, pétasse? Ah non, c'est un con. Ne m'étonne pas, tiens. Putain. Oui, j'ai pas enlevé parce que je dis ça fera un peu d'amusement, autrement sans sol. Donc pour le projet, alors pour le projet, je sais pas pour l'instant, je suis pas convaincu par la Mac. Enfin, je fais des, ça bosse. Mais putain, mais c'est quoi, c'est fait chier cette bagnole là, avec sa collision à la con là. Incroyable ça. Donc pour l'instant je suis en train de réfléchir si ça va être sur le bout du monde ou pas parce que voilà il y a la ferme limousine là qui a été convertie par 4039, ceux qui avaient fait la campagne agricole pour qui devrait la sortir. Je sais pas s'il va la sortir au mois de fin août ou début. Mais qu'est-ce que. Ah j'allais dire. Attends, on va le mettre plus loin. Voilà, on va le mettre par là, comme ça le fera pas chier. Il a combien notre Maurice là? 74 pour 54, donc on attend d'aller continuer à faire nos bottes de foin. Allez, c'est parti. Notre botte de paille, pardon. Parce qu'il faut qu'on fasse de la réserve de paille pour nos animaux qui devraient arriver juste avant. Juste avant l'hiver. J'ai eu petit ensemble, je trouve un 540 avec une variante 360. Faut dire que j'ai quand même assez galéré pour trouver des trucs de classe, hein, surtout au niveau de. Putain, non, il manque plus qu'une faneuse. Un des nœuds faucheuses, ça j'y ai. Il manque plus qu'une faneuse. Ah, je sais pas combien j'ai fait de bottes d'ailleurs. Ah, j'espère que ça vous plaira cette série. Hein. Donc je vous le dis tout de suite, hein, dès que la Statenback sort, je vais directement sur la Statenback. Même si ça va être une grosse map où il y aura plusieurs fermes, voilà, on essaiera de faire un truc aussi propre. Parce que je vais pas faire le projet sur la Statenback, puisque je sais qu'il y en a des membres de la team qui l'aiment pas. Donc voilà. Voilà. Ah, il est à 81. Ouais, mais ça me laisse le temps d'en faire une encore. Voilà, c'est des sauvegardes. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Hein. Parce que c'est vrai qu'au niveau des cartes qui sortent en ce moment, il n'y a rien qui me tente. Hein, quoi, je veux dire, c'est. Je sais pas, sur le 17, je trouve que c'est mort, quoi. Il y a. Enfin, je sais pas, mais. Est-ce que les gens les gardent en privé? Ils veulent plus rien sortir? J'en sais rien. C'est vraiment.
La Borche ici, là où je joue là, pour mon CDX Entrepôt, je peux dire que j'en chie aussi. Hein. Franchement, j'en ai marre. Hein. Je fais que de l'ensilage ou pas. C'est bon, je crois que je vais arrêter les usines. Je vais me lancer dans les moutons, tout ça. Pour bien, hein, parce que franchement, je commence à en avoir plein le cul de faire l'ensilage. Oh, ça fait. Ah ouais, sincèrement, elle est bien cette map. Mais alors, c'est gavant au bout d'un moment. Hein. Putain, elle manque trop de ressources, les usines. Il aurait dû faire comme sur à peu près comme ils auraient dû faire comme sur Caucasus. Ah, il va demander. Alors attends, je vais finir ma botte, après j'irai la vider. L'autre, ça se trouve, ça va peut-être pas remplir l'ouvrier. Oui, ben j'arrive, je peux pas être de partout, Maurice. Hein, putain, tu peux pas aller pour descendre de ta moissonneuse puis aller chercher le. Putain, du coup, il me fait louper de la. Je vais décharger ma botte là. Voilà. Hop, je vais la décharger. Je vais regarder qu'elle roule pas. Ouais, ça arrêtera bien, non? Attendez, bougez pas. Je vais mettre. Donc, en plus, donc je joue en difficulté hard. Je sais, c'est pas très bien ce que je fais, mais voilà, je fais ce que je veux. Voilà, normalement, ça devrait aller en direction des autres bottes. Regardez, ça y va, comme ils arrivent au chat. Voilà, nickel, impeccable. Voilà, bon, ça s'arrête. Oui, alors donc du coup, après, je mettrai le manuel attaching. J'ai même le truc pour vider les moissonneuses manuellement. Il y a les flexibles hydrauliques. Enfin, voilà, quoi. Il y a pas mal de trucs que je vais ajouter, des petits trucs comme ça pour essayer de faire un peu, voyez, mode difficile. No, je veux pas marquer no shit dans le truc parce qu'ils vont dire oh, t'as cheaté, t'as tout le matériel déjà, t'as cheaté. Bah putain, t'as déjà vu une Kuma qui avait pas de matériel, toi, connard. Pourquoi j'y vais à pied, je suis con. Hein. Bah, il est là. Putain, il est resté allumé. Il est ouf, là, bon. Ah, bien sûr, il y a le pilier qui me fait faire chier. Donc du coup voilà, faut qu'on rentre de la paille, faut qu'on y donc voilà, donc le prochain épisode, j'aurai déjà tout installé dans la ferme, tout le matériel qu'il me faut. Voilà. J'ai essayé de trouver un peu des vieux matériels pour essayer de renouveler le matériel. Donc le 400 là, il est en démonstration parce qu'on avait un 330 avant, donc on est en train de voir si on garde le 400 ou si on récupère parce que notre 400 a eu un petit problème, a eu un petit accident. Le RPET, il nous a fait un petit peu le. Il a voulu faire le malin, mais il n'a pas été très malin. Donc, du coup, ils nous ont mis celui-là en démonstration. Et franchement, on en est très, très, très content. Et surtout, ce toit panoramique, c'est vraiment génial. Alors, avance, ça va nous faire. Ouais, faudrait que j'essaye de me mettre un peu au skin là parce que je skinerais pas mal de trucs en gentil là, comme des mélangeuses, pailleuses. Ça serait bien au moins, ça donnerait un petit truc pas mal. Donc je vais attendre, je vais voir combien ça va me faire. Alors, je crois qu'on va aller la vider à la benne, hein. On est à 93%, 94, 95, 96. Ouais, allez, on va aller la vider. Allez, on y va. Hop, on va aller mettre ça en réserve à la ferme. Allez, putain, il en chie le. Ouais, c'est parti. C'est qui? C'est Maurice ou Mauricette? Ah non, c'est Maurice. Mauricette se fait bronzer à la plage. Ah oui, Mauricette. Dans son petit bikini. Oh. Oh, mais qu'il est con. Ah, on a déjà 20 minutes de vidéo, mais non, allez, je vais finir le champ de à Butley. Puis je pense que voilà, oh, putain, on va allumer les feux, mais ça va pleuvoir en cours, là, ils avaient pas annoncé depuis. Putain, c'est nuageux aujourd'hui. On vite qu'on se manne le cul à moissonner notre paille, enfin notre blé, et puis l'orge nous reste. Alors, au niveau des champs, je vous ai pas fait voir. Alors, oui, j'ai racheté des champs. Voilà, on n'arrive pas dans une exploitation où tu as un champ, quoi. Je veux dire, j'ai jamais vu ça. Le mec, il fait tout, mais il n'a qu'un champ. Donc, on a le 1, le 4, le 8, le 2, le 3, le 15, le 12 et le 16. Putain, on a le 16. Putain, le 16, il est où? Qu'est-ce qu'il y a dans le 16? Bah, il n'y a rien.
Il n'y a rien du tout. Donc du coup, là on est en train de faire du blé, là on a de l'orge, après on a trois champs de maïs. J'ai fait un champ de blé, deux champs de blé. Celui-là, il a déchaumé, j'ai cru qu'il y avait du blé, mais je me suis fait niquer, il a été ramassé déjà. Donc voilà, après il faudra qu'on sème des betteraves si on se met à faire des cochons et des patates, on verra. Mais ça c'est plus tard, hein, quand on pourra éventuellement investir dans un semoir à patates. Pour l'instant, on va bien s'occuper de nos vaches. Faire une saison avec les vaches, ensiler déjà, on aura pas mal de boulot. Voilà, une fois que j'aurai ensilé mes champs, que j'aurai là, on pourra mettre le mode saison, au moins on aura du stock, et au moins on pourra, il y aura, comment dire, il y aura un peu de. Un petit peu de contenu à vous proposer dans les vidéos, parce que c'est vrai que quand tu démarres avec le mode saison, tu démarres au printemps, t'as rien dans les champs, tu dois semer, labourer ou cultiver, enfin bref, quoi. À force, au bout d'un moment, ça te gave, quoi. Là, tandis que là, tu proposes un petit peu de contenu avant, puis après, tu mets le mode saison, c'est pas grave. Tu réinitialises ta partie, c'est pas grave, mais au moins, tu garderas, enfin, j'espère, tu garderas les stocks. Allez, on va vider ça. Ah merde, c'est pas ouvert le portail. Hop. Non, attends, ça doit être avec la souris. Voilà, là, c'est ça. Donc voilà, pourquoi sur la stream? Bah voilà, elle est pas trop mal comme carte. Et puis voilà, quoi, force de chercher. Elle est compatible mode saison. Donc du coup, voilà, j'ai dit de me faire chier. Allez. Mais attends, il n'y a pas les trucs des. Ah si, on peut leur donner. Attends. Je suis en train de penser à une chose. Il n'y a pas le truc des poules sur la hosting map là? Ah non, là c'est le garage. Non? Ah non, c'était sur le 15, putain. Ouais, on va emmener le tracteur. Ah, mais on dirait que ça va faire nuit, hein. Tu vas me dire que c'est 8 heures du matin, mais on dirait que. Ouais, 8 heures du matin, on bat le blé, nous. Parce qu'on n'a pas d'avoine pour le battre. Balawan, ah, papa, elle était bonne. Ah non, ça, y a que toi qui rit. Qui rit, qui rit. Enfin, voilà. Bah oui, j'avais eu un gros problème avec Action Merylis, dernière mise à jour qui a foutu un bordel pas possible. Hein. Alors j'aime bien, tu payes un logiciel, et ils font des mises à jour, ça te fout plus le bordel que qu'autre chose. Bon, du coup, je vais m'arrêter là, ça fait 25 minutes de vidéo. On va s'arrêter dans le coin là, je sais pas où il est le Maurice, et bon, il travaille. Voilà. Bon, bah voilà les amis, je vous dis, j'espère que vous aurez aimé, partagez, abonnez-vous, c'est Maurice, portez-vous bien.